Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 25 avril, direction Auteuil pour le prix du président de la République, Steeplechase, 4700 mètres, 20 partants, réunion 1, course 3, indice 2 confiance, 1 sur 5. C'est un joli quintet qui nous attend ce dimanche. Ils sont 20 partants, hein. C'est un quintet ouvert, hein, sans compter les risques de chute, les bousculades, les glissades, les chevaux arrêtés. Il va y avoir du spectacle, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du vendredi 23 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quarté en 6 chevaux et le multi en 6. Et samedi, par contre, c'était un quintet à l'envers. Dommage, hein, parce que je vous avais donné une belle base, hein, les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce vendredi, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, il a fait 134€. On a un ticket multi en 4 qui est passé, il a fait 126€. Et on a un ticket tiercé ordre et c'est désordre qui est passé, il a fait 98€. Total, ce vendredi, il monte à 358€ de gain. C'était pas de la folie les rapports, mais c'est mieux que rien. Ce mois d'avril, il monte à 16 033€ de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 109 286€ de gain. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP, en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Docteur Caléo. Il vient de terminer deuxième du prix Luther 3, il est en forme. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il s'annonce redoutable. On écoute Alain Couetil. Docteur Caléo a très bien couru en dernier lieu sous 73 kg. Ici, il n'a pas beaucoup de poids en moins à porter. Comme c'est un bon sauteur, je ne crains pas la piste extérieure. Je pense qu'il a encore progressé sur sa dernière sortie. Ce n'est pas une course facile, il est très maniable. Un avantage à ce niveau. Le numéro 2, Enfant Roi. Il reste sur une belle victoire dans le prix Carcimon. Il a été pénalisé de 4,5 kg pour cette victoire. Il se retrouve du coup en haut de tableau, mais il peut encore en étonner plus d'un. On écoute Madame Sophie Lich. Enfant Roi est un très bon sauteur. Je ne crains pas le parcours plus exigeant. Il a été pénalisé, mais vu le style de sa dernière victoire, on pense qu'il vaut 64,5. Nous aurions juste aimé de la pluie. C'est un objectif de longue date. Et s'il répète sa dernière performance, tout le monde devra le craindre. Le numéro 3, Gamin Doudéry. Sa régularité fait plaisir à voir. En 10 courses, 10 fois à l'arrivée. Alors certes, hein, il passe un test ce dimanche, ce sera son premier handicap. Mais il va encore tout donner, même si à ce niveau, il n'aura pas la partie facile. On écoute Guillaume Macaire. Gamin Doudéry tente sa chance. Cela ne s'est pas passé comme j'aurais voulu ces derniers temps. Il ne s'est pas géré comme il le fallait. On a essayé de corriger ce qui n'allait pas. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'engagement, on va essayer et on verra bien. Le numéro 4, Django. Alors c'est lui qui a remporté cette épreuve l'année dernière, il vient de terminer 5e le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie, surprise possible. On écoute Patrice Quinton. Django va remettre son titre en jeu ce dimanche, mais les conditions de poids ne seront pas les mêmes. Après sa brillante victoire l'an passé, il n'a plus de marge. Il arrive avec de la fraîcheur et un moral au beau fixe. On espère le voir bien se défendre. Je ne serais pas surpris de le voir s'octroyer une petite place. Le numéro 5, Irja As. Elle reste sur 2 échecs et dans l'ensemble, elle manque de régularité. Elle aurait aussi préféré un terrain lourd et sans exclure une surprise de sa part, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. On écoute Marcel Roland. Irja As est une jument de lourd. Elle n'aura pas son terrain dimanche.
La jument est en excellente condition puisqu'elle a couru à deux reprises cette saison. Je m'attendais à un peu mieux de sa part dernièrement. Elle s'est retrouvée un peu loin et on va essayer de la monter de manière plus offensive. Le numéro 6, Darling, déborde. Elle reste sur une belle troisième place dans le prix Luther 3. Enfin, j'ai dit elle, non, il, attention, ben oui, il reste, hein. Du coup, on continue. Il est régulier, d'ailleurs, hein, ces derniers temps, il fait l'arrivée de toutes ses courses, il peut faire mal. On écoute Guillaume Macaire. Darling Desbordes est en forme. La dernière fois, dans le prix Luther 3, l'épreuve de référence, il a montré qu'il pouvait bien se défendre dans cette catégorie. Le parcours plus sévère devrait lui convenir. Le numéro 7, Gaborio. Il est dans une forme olympique. Il n'a trouvé qu'enfant roi pour lui chipper la première place du prix Carcimon. Mais cette fois-ci, il va retrouver son rival avec un avantage de 4,5 kg, ce qui peut lui permettre de prendre sa revanche. On écoute François Nicole. Gaborio a été préservé en vue de cet engagement. Le cheval paraît très bien au travail. Il va découvrir ce tracé sélectif et ses obstacles de la piste extérieure. Cela reste évidemment un saut dans l'inconnu pour ce concurrent âgé de 5 ans. C'est toutefois un cheval froid qui devrait apprécier la distance. Le numéro 8, Follow Me Soldier. Ses dernières courses sont excellentes, il a même remporté la dernière, ce qui lui vaut une pénalisation de 3,5 kg. Mais il est en forme, il semble encore avoir son mot à dire, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Laurent Viel. Follow Me Soldier est de mieux en mieux. Il est vrai que le fait de participer au président avec ce cheval nous trottait dans la tête. Il a tellement bien pris sa dernière course qu'on se laisse tenter. Il tient la distance, est tenace et courageux. C'est sûrement un peu osé, mais appliqué, il est loin d'être hors d'affaire. Le numéro 9, Fou d'Hélice. Il a terminé 3e de cette épreuve en 2020. Il a maintenant deux courses dans les jambes et il est mieux situé sur l'échelle de valeur par rapport à l'année dernière pour la même épreuve. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute François Nicole. Fou d'Hélice avait conclu bon 3e de l'édition précédente du président malgré un terrain rapide à son goût ce jour-là. La piste s'annonce de nouveau assez galopante dimanche. Il lui faudra s'adapter. Ses sorties de l'année ne sont pas probantes, mais elles sont à relativiser. Je le trouve beaucoup mieux le matin. Le numéro 10, Fanfaron Spécial. Il a terminé 4e de ce prix du président de la République en 2020. 7e, le jour de sa rentrée, bon là il a vite retrouvé la bonne carburation, comme le prouve sa victoire dans le prix Carcimon, face à plusieurs chevaux qu'il va retrouver ce dimanche. A noter qu'il a été pénalisé de 3,5 kg, mais il a encore une belle carte à jouer. On écoute Patrice Quinton. Fanfaron Spécial a pris la 4e place de ce groupe 3 l'an passé. On avait comme ambition de le faire gagner cette saison, mais ce sera dur, car il a été pénalisé suite à sa victoire dans le prix Luther 3. De plus, de nouveaux adversaires qui se sont invités à la fête. Néanmoins, j'en escompte une belle performance. Le numéro 11, Audois. As, il est plutôt régulier dans l'ensemble et il apprécie cette discipline, mais il passe un test à ce niveau. À l'issue d'un parcours sans encombre, il va tenter de jouer les troubles faites. On écoute Marcel Roland. Audois As a progressé sur sa course de rentrée en haie dans un lot assez relevé. Il retrouve le steeplechase qui est plus sa spécialité. Comme Irja As, il aurait préféré un terrain nettement plus souple. Le numéro 12, Sternkranz. Il reste sur deux échecs consécutifs. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Joseph Van Agier. Sternkranz n'a pas eu de chance à Auteuil ces derniers temps où il a dû évoluer sur un terrain trop rapide pour ses aptitudes. Cela devrait être encore le cas dimanche. C'est bien dommage, dans ce contexte météorologique peu favorable pour lui, j'espère qu'il prendra la 7e place. Le numéro 13, Gentilhomme. Il vient de terminer 5e du prix Luther 3. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Le lot est touffu, il faudra quand même le bon parcours, mais attention à lui. On écoute Gabriel Linders. Gentilhomme a peut-être été monté de manière trop offensive la dernière fois. On espérait gagner avant l'heure. Il a progressé sur cette course, tous les feux sont au vert, on va le monter de manière plus cool.
Le terrain sera pour tout le monde pareil, mais il a déjà gagné sur un terrain rapide, cela ne devrait pas le déranger. Le numéro 14, Diffley River Ann. Il a terminé 11e le jour de sa rentrée, dans le prix Car Simon, mais il a vite remis les pendules à l'heure, se classant 4e du prix Luther 3. Sur la montante, il peut encore frapper un grand coup. On écoute Mademoiselle Camille Pelletier. Diffley River Ann vient de bien courir. Le terrain ne sera pas forcément un problème car ce n'est pas un cheval de terrain lourd. Il faut qu'il soit appliqué dans ses sauts car il peut parfois être un peu brutal. Il faut que tout se passe bien. S'il est appliqué et qu'il ne consomme pas trop, il a le droit d'être à l'arrivée. Le numéro 15, No Risk For You. Elle a terminé 5e de cette même épreuve l'année dernière. Ses dernières sorties sont bonnes. Elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Michael Serror. No Risk For You fait face à son objectif. Elle a pour elle son métier, sa forme et son aptitude au bon terrain. Elle avait montré sa compétitivité dans ce contexte l'an passé en concluant à l'arrivée de cette course. Elle est parfaite le matin, prête à chèrement défendre ses chances. Le numéro 16, Golden Park. Elle donne toujours son maximum en compétition. Bon là, ça sera quand même son premier handicap, et dans cette discipline hein, du moins. Mais dans ce quintet ouvert, elle fait partie des possibles troubles faits. On écoute encore Michael Serreur. Golden Park sera mieux sur les gros obstacles. Dernièrement, sur les haies de Fontainebleau, elle a montré qu'elle manquait de rythme sur les balais, d'où ce choix. Je n'ai pas de préférence entre mes pensionnaires, même si No Risk For You offre plus de garanties dans ce contexte. Le numéro 17, Avery Béret. Il est en forme, il a remporté sa dernière course, mais cette victoire lui coûte une pénalisation pondérale de 3,5 kg. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Yannick Foin. Avery Béret vient de renouer avec le succès à Compiègne, malgré quelques fautes. Dimanche, le parcours change et l'opposition s'annonce bien plus sévère. Je mise toutefois sur sa forme pour le voir bien faire et sur l'adage qui rappelle qu'il y a très souvent un petit poids à l'arrivée du président. Numéro 18, Goudari. Il reste sur une 6e place dans le quintet du 12 avril. Il sera rallongé pour l'occasion et va découvrir le steeplechase d'Auteuil. On demande à voir. On écoute Luigi Mazzelli. Goudari est un grand et beau cheval. Il a une grande action, va porter un petit poids et la longue distance va lui convenir. Maintenant, c'est un coup de poker hein, car il va découvrir Auteuil et sa piste extérieure. Il ne détient pas l'une des premières chances, mais avec un bon parcours, il y a de belles allocations à prendre. Le numéro 19, file au vent. Il a joué les casseurs de tickets en prenant la 5e place du prix Car Simon à presque 60 contre 1, mais il a été arrêté sa sortie suivante, du pour et du contre. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Sylvain Déhez. File au vent ne s'est pas plu à Strasbourg et préfère l'hippodrome d'Auteuil. Convenons-en, mieux que le contraire pour un cheval entraîné à Paris. Il est aussi bien le matin qu'avant sa bonne sortie dans le prix Car Simon. Il n'a pas de marge, mais peut viser une place, selon moi. Le numéro 20, Bandero. Il a terminé 6e du prix Car Simon, il a aussi terminé 6e du prix Luther 3. Il revient délesté d'un kilo, il va tenter d'en profiter pour améliorer son classement. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Paco. Bandero vient de bien courir, d'autant que le terrain n'était pas assez souple pour ses aptitudes. Cela sera malheureusement encore le cas ici. Dans ces conditions, je vise plutôt une place, d'autant qu'il va découvrir le Rye Ditch. De toute façon, je n'ai pas trop le choix des engagements avec lui. Le pronostic, ça donne As, 7, 2, 10, 6, 15, 13, 14, cheval de complément le 4, si jamais un autre l'emportant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.